Avec l'entreprise Meco, tout s'est passé très facilement parce qu'en fin de compte, la proposition faite a été retenue et sans modification parce qu'elle nous convenait parfaitement sur la disposition des jeux en elle-même. Il n'y avait absolument rien à dire puisque Meco avait répondu pleinement. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Très vite, on a constaté que le projet allait s'orienter vers une aire de jeu inclusive. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé avec un groupe de travail de la ville qui réunit donc élus et agents de la ville en lien avec la commission d'accessibilité, mais aussi IME-IEM, donc, qui est l'institut qui comprend donc des enfants en situation de handicap qui est juste à côté. Le résultat dépasse largement nos attentes, c'est un succès total et ça va monter crescendo puisque dans quelques mois nous allons avoir juste en face une passerelle qui va faire la liaison entre le parc urbain et cet espace-ci. Donc c'est vraiment un espace de vie important au bord de l'Élorne qui font que le succès est au rendez-vous.